Coucou, connectez-vous, connectez-vous, c'est très important. Connectez-vous. Connectez-vous, nous allons discuter. Je suis dans ma belle cuisine. Gens qui n'ont pas de maison sur Facebook. Les idées. Connectez-vous, nous allons parler. Je suis dans ma belle cuisine. Très honorée de vous montrer ma maison. Ma petite belle maison que j'aime. Que j'ai customisée à mon goût. Ça, c'est mon logement ici. C'est pas le Pas seulement prendre les caméras et faire les. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Moi, je ne suis pas venue sur Facebook pour parler de ma vie parce que j'ai mieux à présenter. Je veux vous montrer l'intelligence. Et tout le monde sait que je suis une femme intelligente. Donc, c'est quand ils vont dénigrer, tu n'as pas de maison. Où est le rapport? On vous parle d'intelligence. Connectez-vous. Ça, c'est ma cuisine. Je vous aime tellement. Audrey Portrait, bonjour. Tu es confinée. Je suis dans ma cuisine. Remarquez bien le décor. Il ne va jamais changer. Là, c'est ma cuisine. Je suis dans mon secteur ici. Ah oui, mon chéri nous a fait un bon gâteau. Gâteau yaourt. Parce que je suis confinée avec mon chéri. Faites très attention. Quand vous parlez des gens sur Facebook, faites très attention. Parce que Dieu nous voit. Ma petite soeur Elvire, je vais t'appeler, excuse-moi. Un bien occupé depuis le matin. Très occupé. Ça, c'est ma cuisine. Ce n'est pas le bac que bac, ce n'est pas le rond. Ngonia là-bas. Et Wolominga. Ce n'est pas le Bakebadio. Ça, c'est ma cuisine. Ngonia là-bas. Et Wolominga du Cameroun. Je ne fais pas que parler. Ça, c'est ma cuisine. Mais viens-moi mettre un Batobaye. Qui sont-ils? Batobaye. Qui sont-ils? Vous parlez des gens parce que les gens ne sont pas vos amis. Vous commencez à les détester. Vous racontez leur vie. On ne vous a rien demandé. Alors que vous-même, vous n'avez pas de maison. Voici ma cuisine ici. Ngonia Dieu est là-bas. Sans coucher avec trois hommes. Ngonia Dielobo. Je suis dans ma cuisine. Ça veut une sauce incantée comme comme. Mon contrat de location à mon nom propre. Qui ignore mon nom? Ngonia Dielobo. Ça, c'est ma cuisine. Ça, c'est ma cuisine. Comme il y a un petit coin pour les chaussures, ben, j'ai installé ce meuble. Ngonia Dielobo. Ce n'est pas le Bakebadio. Vous connaissez mes chaussures. Ça que mes sauces, mes nalles. Mes nalles y étaient encantées comme comme. Et ce n'est pas la gnognotte. La mère ne porte pas n'importe quoi. La mère ne porte pas n'importe quoi. Ngonia Dielobo. Je ne suis pas venue sur Facebook pour montrer les chaussures. Baba ne me guesse. Guesse. Guesse de son état. Vous connaissez les prix. Ngonia Dielobo. Ngonia Dielobo. Ngonia Dielobo. Vous venez sur Facebook parler des gens. Que vous êtes les qui? Vous êtes les quoi? Les bêtises. Ngonia Dielobo. Vous passez le temps à parler de moi sur Facebook. Je vous dois. Je vous demande même quelque chose. Vous couchez avec les animaux, je suis avec vous. Ngoumbeni, vous parlez de moi dans vos vies. Hein? Ngonadielobo. Je suis dans vos bêtises que vous faites là. À coucher avec les animaux. Vous allez me sentir maintenant. On te tabouille et boit la nuit.
Ngone ajé lobo. Ngone ajé lobo. Vous passez votre sale vie à parler mon affaire. Je vous dois quelque chose. On retourne dans la cuisine. Je voulais mettre les pendules à l'heure. Je n'aime pas le sabotage. Vous voyez les gens faire leur vie. Vous-même, vous n'avez même pas de vie. On a dit lobo. C'est ici que je prends mon bain. On a dit lobo. Je n'ai pas de maison, tu vis chez un blanc. Je suis de votre catégorie. Je veux vous confirmer un autre style de vie maintenant. Ngone ajé lobo. Je vous ai fait le tour d'honneur. On peut parler maintenant. Des gens qui sont venus sur Facebook insulter des gens qui n'atteindront même jamais de toute leur vie. Contraire de l'eau. Je suis venu sur Facebook parler de la richesse. Parce que j'ai vécu dans l'opulence. J'ai toujours mangé. Dans ce rythme de vie, je vais mourir en mangeant bien. Je serai bien enterré par des gens qui me respectent. Ceux qui commandent le Cameroun, même en France. Combien de Noirs on voit dans les listes d'élection? On est combien? Vous m'avez vu, non? Je suis parenté avec les Blancs. Mise au coup Internet, parce que comme vous voulez cacher votre... Une femme qui couche comme... Pétoulet, elle couche comme Pétoulet. Tu couches comme Pétoulet et comme tu sais que ça va sortir, c'est toi qui es dans les camions, c'est toi qui es dans les foyers, c'est toi qui fais les relations avec tous les hommes. Contrat de... Pour avoir un appartement en France, on te donne le contrat de location. Tu achètes les gens pour venir insulter les autres, des gens qui n'ont pas de maison. Qui vient insulter les gens qui ont les maisons? Contrat de location. Est-ce que je suis dans vos bêtises que vous faites sur Facebook? J'ai toujours vécu dans la dignité. Hein? Quand je salue les Camerounais, vous avez vu la catégorie de Camerounais qui me salue. Ce n'est pas le... Et à Bouazoussou, hein, le corona va finir maintenant, comme il n'y aura plus l'Olympia. Parce que nous, on voulait te confirmer que tu n'es rien. Babou zéro. Une femme qui couche plus que... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as le crabe dans le cul. C'est quoi le problème avec toi? Tu as le crabe dans le cul. Tu envoies les gens insulter les gens qui n'ont pas de maison. Vous publiez les gens nus. Vous avez vu que vous... Ça, comment? Ça, c'est une vie. Une femme couche avec un homme à 10h. À 11h, un autre peignet est déjà dans son trou. À 13h, un autre peignet est déjà dans le trou. À 14h, même le jour de son mariage, elle a couché avec un homme. C'est une vie. Internet. Parce que vous avez cru que vous allez vous cacher. Où sont les maisons? Le contrat de location est où? Ça va, Mina. Avec les maigres fesses, où est le contrat de location? Le contrat de location est où? Qui habite chez un blanc? Je ressemble à une femme qui va habiter chez un blanc. Je vous avais dit non. Je vous avais dit non. Comme ça. Et nous sommes au début. Nous sommes au début. Nous sommes... Elle a le crabe dans le cul. Merde alors. Est-ce que c'est une vie? Passer la vie à m'insulter, à me fouiller jusqu'au cul, alors que son cul a le crabe. Minga Nebi Diabo, c'est-à-dire, on ne va pas nous mélanger avec toi. Non, tu as menti. Tu vas aller seule. Anna, quand elle avait vu comme fille, qu'est-ce que c'est là? C'est quoi? Tu as le crabe dans le cul? C'est le crabe? Je t'avais envoyé. Tu envoies les gens m'insulter tout le temps sur Facebook. Tu crois que ça devait durer combien de temps? Je vais m'asseoir sur toi cette fois-ci. Comme j'ai déjà toutes les preuves. Il me manquait quelque chose.
Je veux ma... Merde alors. Des gens, des imputes, puis des vaches, des va-nu-pieds. Vous avez cru que vous allez faire quoi? Homme qu'elle a présenté sur Facebook. Quand j'ai quitté, j'y sais. Dans toutes les chansons, c'est ton histoire que tu racontes. C'est ton histoire que tu racontes. Au lieu de te cacher, tu viens faire le muscle avec moi. Tu ignores ce que je te fais souvent. On y va, mais. On y va, mais. Tu me connais, non? Tu peux faire le muscle avec moi, Lady Bangala. Tu peux faire le muscle avec moi. Tu veux que je te mette par terre? Tu veux que je te mette par terre, Lady Bangala? Tu envoies les oiseaux m'insulter? Tu crois que ta vie sera cachée? Tu as le crabe dans le cul? Djenga l'autre. Obe kata me kan. Obe kata me kan. Kata yeme mbo elan. Obe kata me kan. Kata yeme me kan. Fais attention. Si je m'assois encore sur toi, tu es foutu. Tu es foutu. Kata yeme me kan. Kata. Le crabe. Dès que ça vibre comme ça, tu ne vois pas un homme. Greg Bolov est en train de passer. Il dit qu'il veut le duo. Il ne voulait pas coucher avec toi. Encore coup de... Parce qu'il avait prévu ça dans sa vie. Il voulait te baiser. Tu ne peux pas voir un homme et laisser. Kata, je me rombo et lang. Kata. Moi, je vais te mettre à ta place. Hein. Non. Tu as vu que tu es qui? Charlotte Dipanda. Et passé dans le calme. Elle ne faisait même pas la publicité de l'Olympia. Non, toi, tu nous as basané les oreilles ici. Tu fais la publicité de l'Olympia. Je me suis dit, bien. Et pourquoi il fait la publicité de l'Olympia comme ça? Oui, il y a les tickets de 50 euros, il y a ceux de 75 euros, il y a même ceux de 100. Tu obliges les gens à aller à l'Olympia. Kata, il y a mon mecan, Kata. Je te donne l'avertissement aujourd'hui. Si je trouve encore quelqu'un m'a insulté, je finis avec toi. Je dis je finis. Je t'avais excusé pour Dieu Cyclone. C'est Dieu Cyclone que tu fais là. Là alors, si tu, ça monte dans... Si mon banga ne sèche pas, je finis avec toi. Balle au pied. Je vais te montrer que moi, je suis né avant toi. Et que tu es dans les mauvaises conditions. Tu n'as jamais vécu comme moi. Anna, quand j'ai vu la photo, elle est partie au ski. Tu vas impressionner qui? Tu vas au ski. Mais ça, c'est l'étude des misérables. Et elle ne skiait pas. Elle est placée comme ça au ski. Avec deux bâtons. Elle est au ski. Je vais faire la photo. Tu vas chercher les problèmes. Je vais te montrer. Elle est au ski. Elle n'arrive même pas à bouger. Skier dans ta vie. Moi, je suis née en France. Je ne peux pas l'être. Je vais au ski. Elle a refait tout son corps. Donc, tu es quoi? Une boutique. Tu es une boutique. Tu séduis les hommes. Tu veux séduire tous les hommes. Tous les Camerounais ont déjà vu ton haricot sauvage. Elle est comme ça au ski. Je prends du bon temps. Comme les gens écrivent. Comme Dieu Cyclone ne va plus les... Dieu Cyclone n'yazo woman et bambe yemo me kanlane kata. Dieu Cyclone n'yazo woman. Tes photos nues sont dehors. Moi je vais te voir nu et je vais publier parce que tu es mauvaise. Si tu t'attaques à moi, je te finis, tu es foutu. Elle est au ski comme ça. Du bon temps. Aneski. Tu te dis, mais Neski, ça je prends du bon temps. Alors, ce qu'il y en a, je prends du bon temps. À quoi te sert la beauté avec un corps aussi bordelistique? Et bamba, kata, yo, mama, kan, kata. Une villageoise villapsisée. Kata, yo, mou, est bonne. Kata, yo, mou, est bonne. À Boski. Je prends du bon temps. Tu veux impressionner qui? Tu vis au-dessus de tes moyens. Tu. Merde. Le gars voulait le duo. Tu dragues les hommes. Où est ta fierté?
C'est-à-dire, depuis que tu as commencé ton truc là, les gens maîtrisent toute ta vie. Pourquoi tu ne peux pas te calmer? Coco Agenté. Le père de Coco Agenté vit encore. Hein. Coco Agenté va souffrir. Elle fait les spectacles. Hein. Le corona ne la gêne pas. Et toi? Kataye me bon. Kataye me bon. Moi, je ne suis pas dans vos conneries que vous faites. Hein. Je te donne un avertissement avec cette vidéo. Si tu t'amuses avec moi, je finis avec toi. Parce que moi, je ne suis pas là pour rigoler. Moi, je respecte les hommes. Je n'ai jamais fait ce que tu as fait à un homme. Et je ne le ferai jamais. Je respecte beaucoup l'homme. Je respecte beaucoup l'homme. Toutes les promesses que tu as menti à la base, que tu vas faire. Tu vas faire comment maintenant? La base est derrière toi. Tu es foutu. Ils vont te mettre ça sans vaseline. Base ou confirmé. Tu as le crabe dans le cul, toi. Une poubelle comme ça. Qui peut t'envier? Qui va t'envier? Kata yeme bon, avala yeme odi. Qui va t'envier? Kata yeme bon. Merde alors. Je suis dans ma cuisine. Des gens qui squattent chez les gens. Des gens qui ont une mauvaise vie. Avec les longues bouches comme la musaraigne. Moi, je suis dans mon appartement. Contrat de location à l'appui. C'est pas le hon. C'est pas le hon. Moi, je ne vis pas chez les gens. Ça, c'était avant. Toi, tu n'as même jamais eu de maison. Tu arrives seulement sur Internet. Tu achètes les problèmes d'une pute qui ne se contrôle pas. Le cul est ouvert comme le crabe. On ne s'amuse pas ça. Là, je suis inspirée. Elle est au ski. Les enfants des folles vont skier maintenant. C'est-à-dire, c'est le monde à l'envers. Je suis au ski. Je prends du bon temps. Moi, je suis dangereuse dans la comédie. Si tu joues avec moi, je vais te faire ça sans vaseline. Et je suis sans pitié. Parce que tu sais d'où vient notre conflit. Je suis sans pitié. Je peux te supporter. Tu fais honte à un homme. Moi, j'ai des frères. Hein. Je ne souhaite pas qu'une femme fasse ça à mon frère. Non. Elle fait le ski. Elle ne peut même pas bouger. On n'a pas vu comment elle bougeait dans le ski. Mais elle est déjà partie. Faire le ski, à prêter l'argent parce qu'il faut qu'on la voie. Qui va te voir? Qui va te voir, poubelle virtuelle? Tu pouvais avoir même de la personnalité. Tu as tout. Tu connais même bien. Je t'avais dit que je ne veux pas te voir dans ma vie, non? Oui. Quelle est cette Olympia? Pour acheter les billets. Il y a encore les billets de 50 euros. Il y a ceux de 75 euros. Il y a ceux de 100 euros. Je dis, mais. Et toutes les fois que je voulais acheter le billet là, il y avait un problème. C'est là où il avait dit que non, ça c'est la sorcellerie. Moi, je ne parle pas à l'Olympia. Olympia. Moi, je suis. Les jumeaux sont devant moi. Et après, c'est moi. Moi, je suis une prophétesse. Je suis une prophétesse. Toute la petite sorcellerie que tu fais avec les gens. Tu as essayé ça sur moi, non? Je t'ai montré, non? Gamga le roi. Je t'ai montré, non? Tu as le crabe dans le cul. Obekate bon. Obekate bon. Et bon, tu es kata. Tu es maudite. 159 hommes, depuis qu'on est sur Facebook, qui t'ont couillé. Tu as fait les photos. Tu es une femme. Fait le duo. Elle a ouvert le cul. Qui va voir le cul, il ne pénètre pas. Surtout qu'elle dérange les gens avec les fesses qu'elle bouge comme ça là. La danse. Oh ben, Kata est bonne. Kata yem est bonne. Je ne peux pas, je n'ai pas envie de m'intéresser à toi. Là, voici au ski. Les enfants des folles vont déjà au ski. Je prends du bon temps. Aneski. Elle n'arrive même pas à tenir les bâtons de. On a découvert votre vie. Pas de domicile fixe. Allez louer la maison pour faire l'interview. Quelle est cette vie? Il faut toujours le matu vu. Qui ignore que ta mère était folle? Qui ignore que tu étais la femme de Mongo Faya? Qui ignore ça? On te laisse parce que tu veux bouger. Mais là, tu es. Ton mari même va encore te mettre ça. Pim. Tu provoques Dieu cyclone.
Mais il va te montrer. Après Dieu sur le trône, tu seras obligé de te calmer. Parce que tous les gars qui te baisent là ne vont même pas t'épouser. Oh non, il peut me baiser, mais il part. Il est bête, il est fou. Mais toi? Et toi? C'est-à-dire, vous faites une collection de putes de bas étage qui viennent détruire le Bikutsi. Des putes comme toi là. Tu es une femme. Chaque chanson, il y a son histoire qu'elle raconte. Comptez les hommes, je me suis demandé, mais tous ces hommes sont cuits à le crabe. Quand t'es bonne, quand t'as yé moué bonne, merde alors. Tu me fais pitié. Quand t'es bonne, le genre de femme de Lady Bangala, elle a le crabe dans le cul. C'est ça qu'on dit. Kata bon. Kata yemye bon. Parce que le kata est comme ça. Parce que c'est le truc qu'elle va chercher dans les pays des gens. Ayem Togo. Ayem Benin. Ils ont entendu kata tabe bonana. Voilà le truc qu'elle a dans le cul. Quand vous entendez sa souffrance ici dehors, le truc est comme ça. Il faut l'homme pour calmer les crabes. Les crabes est dans le cul. Kata bon. Kata yeme bonana. Même si c'est un fouet prend. C'est triste. Kata est bon. Ne me cherchez pas, hein. Je n'ai pas envie de parler ton histoire. Non seulement j'ai honte en tant que femme, j'ai aussi honte en tant qu'élite. Parce que nous sommes des modèles. J'ai honte pour ce que tu as fait. Il y a plusieurs paramètres qui m'empêchent de m'intéresser à toi. Parce que tu fais honte à la femme camerounaise, tu fais honte à la femme Betty et tu fais honte à l'artiste. Tu me fais pitié parce que tout le monde est unanime que tu n'es pas sérieuse. Et je ne vais pas rajouter. C'est pour ça que j'ai dit que je ne parle pas de toi. Mais il ne faut pas faire que quand je fais mes vidéos... Tu envoies encore, puisque on sait, tout le monde sait que tu as les faux profils. Tu envoies les... Je vais te faire très mal. Tu déconnectes toutes les putes que tu envoyais avant. Tu croyais que ça va durer. Tout le monde sait maintenant que tu as les... Je ne veux plus voir quelqu'un venir m'insulter de ta part. Je vais te faire très mal. Parce que ton cul là, qui vibre comme ça. Je croyais que Dieu cyclone allait maîtriser ça. Katayem est bon, Anna. A vibré. A vibré. Il faut qu'il y ait un homme. Et pas un seul. Calmez un peu. Tu es le genre de femme qu'on pine et on passe. Les hommes viennent te piner. L'homme qui t'a fait la faveur. Devant monsieur le maire. Ça ne va plus jamais t'arriver. Moi, je me remarie. Hein, si je veux. Demain, je me remarie. J'ai des prétendants comme ça. Des prétendants sérieux. Hein? Demain, je me remarie si je veux. Katayem ou Ebon Abona. Prenez ce que je vous dis au sérieux. Il y a des femmes qui vont chercher des pratiques, vont faire des pratiques. On leur donne le crabe. Le crabe vient donc s'installer dans son cul et ça vibre. Quand ça commence à vibrer, il faut qu'on nomme la couille. Tu vas être humilié. Tu fais ça depuis. Je t'avais déjà dit qui tu es. À l'époque, tu avais des fans. Où sont-ils aujourd'hui? Oh, ben, Katayem ou Ebon, pourquoi? Hein? Je t'avais dit non. Hein? Je t'avais dit non. Si je trouve encore que quelqu'un m'a injurié de ta part, je finis. Voilà ça que je dis. Moi, je ne joue pas. Je n'ai pas envie de m'intéresser à toi. Parce que ce que tu as fait est ignoble. C'est pire que la... C'est-à-dire, je ne sais pas, mais l'école est bien. Hein? L'école est très bien. Il fallait que tu ailles faire un petit tour. Il fallait que tu ailles faire un petit tour à l'école. L'école est bien. Tu as cru que tu vas faire quoi? C'est-à-dire, tu fais chier. Artiste de Nkondongo, artiste de Tambapia, artiste de Ligbelibi. Et toi, tu es artiste de...
quand une femme est belle, si tu es belle. On a vu Grace Deka, une belle Camerounaise. Grace Deka a fait des choses qui font en sorte aujourd'hui qu'on la respecte. Grace Deka s'est mariée avec le directeur de la Camer. C'est ça qu'on appelle une belle femme. Tu fais des choses qui t'honorent. Voilà Katino qui est mariée avec un Gabonais. Elle ne s'est jamais elle n'a jamais divorcé depuis. Voilà Mani Bella qui est mariée avec un ancien boxeur. Elle n'a jamais divorcé. Voilà Coco Agenté qui est partie se marier avec un étonne qui travaille à la présidence. Elle n'a pas divorcé. Elles sont déjà à plus de 3 ans de mariage. Wow, que Kataye Meboni, Kataye Meboni. Mon fils est là, il est pasteur. Mon fils, excuse-moi, on est sur Internet. Quand quelqu'un dérange ta maman, je lui dis, Kataye Mebonana, le crabe, ça vibre comme ça. Quand vous entendez qu'elle ne peut pas voir un homme, Kataye Meboni, et le Kata là, le crabe, c'est Kata chez nous, c'est le crabe. Il y a un crabe qui est dans son cul, installé à l'entrée du cul, et ça vibre comme ça. Quand le crabe là veut déjà donc qu'elle couille, fouet prend. Greg Beloba partait pour le duo. Il voulait faire le duo. Elle a une belle voix. Nous savons qu'elle a une belle voix. Donc, à part la voix, il n'y a plus rien. Le reste, c'est le cul qui vibre avec un crabe qui est installé comme ça, qui vibre comme ça. Et vous, tous les hommes qu'elle va voir, il faut que le crabe... Tu vas te faire humilier, hein? Et le crabe, là, ne peut plus quitter. Kata yeme bonne vok et bonne yeme kata. Moi, ne me fais pas chier. Hein? Vous m'avez fait quelque chose il y a 5 ans, toi et ta clique. Vous avez vu que je ne saurais pas. Je vous connais autant que vous êtes. Vous montez dans les camions, vous faites la pute ensemble, vous faites la prostitution ensemble. Je vais te mettre ça sans vaseline. Je ne veux plus voir quelqu'un venir m'insulter sur mon mur. Reste avec ton crabe dans ton cul là-bas. Tu fais honte aux Camerounaises. Tu nous fais honte. Quand tu atteins la catégorie là, tu ne fais plus n'importe quoi. Tu montes l'homme avec l'homme qui te blesse. Nous avons vu ton mari et Dieu Cyclone jouer derrière son rôle. Il voit un truc qui vient, il arrange. Un monsieur comme celui-là, tu veux le dénigrer, tu dis qu'il a quel problème. Le gars est présent. Le gars est présent parce que ton crabe commence déjà à agresser. Kata yeme bon mao. Kata yeme bon, kata. Elle est partie chercher les ngrimba dans le pays des gens. Kata yeme bonana ne vok. Le kata fait son comme ça. Le crabe. Cherche les hommes, cherche les hommes, cherche. Cherche les hommes, cherche les hommes. Elle commence donc à fouiller. Ça devient comme la magie. Jean-Louis Messant avait vécu ça. Blaise et Yuma vécu ça. Le crabe est dans le cul. Vip, 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 vip. 59 hommes. Le groupe X Maléa est à terre aujourd'hui. À terre. Ne m'énerve pas. Avec les 100 papiers que tu côtoies, ne m'énerve pas. Je vais vous parler très mal. Moi, je ne joue pas. Hein. Vous ne commandez pas Facebook. Facebook ne vous appartient pas. Les hommes du Cameroun là en ont marre même de toi. Les hommes du Cameroun. Ton crabe est passé dans tous les bureaux au Cameroun. Du plantant au ministre, le crabe, ce n'est pas facile vraiment. C'est vraiment pas facile pour toi. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il faut laisser les gens respirer. Vous n'avez pas de maison. Vous louez les maisons à la journée pour aller faire les émissions. Et écoute alors le gros français. Guina, au gros français. Tu fais pitié, hein? Kataye Meboni. Katanya yemo webono, kata yemo soto, kata yemo webono, jingabo, kata yemo webone, jingabo, kata yemo webone, jingabo, kata yemo webone, ajobi number number jino wo, jingunga ke number momo wo, kata yemo webone anawo, kata yemo 9 hommes qu'elle a présentés sur Facebook depuis qu'elle est inscrite sur Facebook. Le crabe fait le travail. Parce que le crabe en question, mon ex-mari m'avait parlé de ça. Que
La Krabi, 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 qui n'a pas encore touché ton haricot sauvage. Est-ce que c'est sérieux? Quand on voit ta peau, parce que c'est juste l'huile que tu mets, donne, mais. Et alors, il faut que le comportement suive. Halawela, Katayeme bon. Katayeme bonana. Ah ah, voilà. Le crabe demande 259 hommes toutes les semaines. Katayeme bonana. Personne ne vous envie. Faites vos... Ça ne m'intéresse pas franchement. J'ai dépassé votre niveau. Je vous ai dépassé. J'ai dépassé ce que vous faites. Pendant que vous avez cru que vous allez me rabaisser, Dieu m'a élevé. Tu as vu la catégorie de garçons que je salue ces jours-ci, non? L'excellence. C'est pas une histoire de crabe. Là-bas, le crabe ne marche pas. J'ai le contrat de location. Vous connaissez ce que c'est, les enfants. Hein? Katayemo est bonné. Katayemo soto nevek. Katayemo est bonné. Katayemo soto nevek. Adiobi nambe nambo na deji. Adiobi ulu fulu na deji. Katayemo est bonné. Edi ke fait le ski. Anga yena hana. Je prends du bon temps quelque part. Aboski, oui, Aboski. Moi, je suis d'une bonne famille et j'ai grandi dans de très bonnes conditions. Rien ne m'impressionne. Moi, j'ai toujours privilégié le temps de Dieu. Je privilégie le temps de Dieu parce que moi, j'ai grandi dans les bonnes conditions. Je ne force pas la vie. La vie vient seule. J'ai dit que Longo et Selemba, ça vient seul. La vie que j'ai vient seule. Je ne force pas. Dieu m'a donné des atouts. Je ne force pas. Ceux qui commandent le Cameroun me respectent. Parce que je ne mens pas. Je vous ai montré ma vraie vie. Parce que je ne veux pas vendre le rêve aux jeunes. Je ne vends pas le rêve. Ça, c'est l'intelligence. Rêve. Je ne veux pas mentir à la jeunesse. Je suis une dame digne et fière. Surtout, j'ai les pieds sur terre. Je sais où je vais et jusqu'où je vais. Je ne force pas, tout vient à point nommé à ceux qui savent attendre. Qu'est-ce que je vais envier chez une femme touriste avec le crabe? Le crabe est installé dans ton cul, le cul de merde qui nous fait honte aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux envier chez toi? Vous avez vu le cul que j'ai? Je ne suis pas dans la... On va me placer avec toi, te prends avant moi, interdit. Au Cameroun, on me prend avant toi. Les hommes le savent, ils le disent. Donc il faut arrêter les micmacs. Moi j'ai dit je ne traite pas ton dossier parce que c'est un dossier qui me fait honte. Je ne veux pas parler de toi parce que j'ai honte qu'une femme qui est censée avoir la jugeote se mette à tapiner n'importe comment, à couiller, parce qu'elle a un crabe installé dans le cul. Je n'étais pas avec toi quand tu allais prendre le crabe qui te ronge le cul là. Moi, je ne suis pas là-dedans. Tu ne me fais pas chier. C'est toi qui m'as provoqué pendant que moi, je ne te connaissais même pas. Je connaissais Katino et Chantal ici. Je les connaissais parce que elles sont les premières artistes que j'ai vues. Et c'est elles que je voulais imiter. Et toi, je ne te connaissais pas. Je n'ai jamais écouté tes chansons. C'est récemment que j'ai commencé à écouter parce que je me suis dit, si elle a autant de fans, ça veut dire qu'elle chante quand même. Moi, j'ai les musiques que j'aime. Tu cries. Quand tu chantes, tu vas trop haut. Et moi, ça me fait mal aux oreilles. Je n'aime pas les gens qui chantent trop haut. J'aime le tempo. C'est un tempo qui me correspond avec ma joie. Et Amazon chante bien.
C'est le tempo là que j'aime. Parce que moi, j'ai toujours chanté en deuxième voix. Je chante pas trop haut. Alors, quand les gens chantent haut, ça me fait mal aux oreilles. C'est pour ça que je ne t'ai jamais écouté. Mais j'ai constaté que les gens t'écoutent. Je me suis dit, je ne vais pas rester sans écouter ce que la professe dit. Je vais écouter. Effectivement, tu as quelques chansons qui me plaisent. Mais ça ne t'autorise pas à faire tout et n'importe quoi. Tu fais tout et n'importe quoi. Tu mélanges tout. Si tu méprises les chanteuses, c'est de ton ton, elles te laissent. Tu ne vas pas là où il y a les intelligentes. Les femmes intelligentes, tu ne nous atteins pas. Parce que même laver le cul, tu ne sais pas le faire. Je te montre comment lave le cul pour que les hommes restent. Je te montre comment lave le cul pour que les hommes ne se plaignent pas. Je te montre comment lave le cul pour qu'ils soient toujours en bonne santé. Je te montre comment lave le cul pour que le crabe qui est dans ton cul là s'en aille. Je peux te soigner. Tu as l'étoile. Tu as l'étoile. Le crabe est accompagné de l'étoile. Ou quoi l'étoile? L'étoile, il y a mon sort à voc. Tu es quoi? Tu es qui? Moi, j'ai rien à foutre de toi. Tu connais là où j'étais classée. Je ne t'ai jamais enlevé là. Je te laissais un peu de répit parce que tu étais mariée. Maintenant, tu dis que tu es célibataire. Tu vas écoper. Il ne faut pas jouer avec moi. Je ne traite rien avec toi. Je suis dans ma cuisine. Jamais, toi et moi, n'a rien fait ensemble. Moi, je n'attends pas que tu m'héberges. Je n'attends pas. Tu ne peux pas m'héberger. Parce que j'ai 56 valises. Tu ne peux pas m'héberger. J'ai dit que j'ai 56 valises et 250 paires de chaussures. Je ne peux pas vivre chez toi. Donc, fais ça avec tes amis. Fais ça avec les gens qui lèchent ton cul et tes bottes. Chacune d'entre nous a ses lèches-bottes. Traite avec ça. Pas avec moi. Voilà la vérité que je voulais te dire. Parce que si j'attrape encore des avortons, venir me parler de toi, je te fais ça sans vaseline. Enlève déjà le crabe qui est dans ton cul là. Sur ce, mon téléphone est déchargé. Je vais vous laisser. Ici dans ma cuisine. Je prends du bon temps. Je vais préparer un bon menu tout à l'heure là. C'est propre, donc je vais préparer. Je suis dans ma cuisine. Moi, je ne suis pas dans les à peu près. Je ne vends pas le rêve. Je n'ai rien à foutre. Donc, sur ce, je vous laisse. Et Wolominga, je vous laisse. Minga kata yeme bon, anga diana chanlem. Tu peux me faire chier. Je te laisse hein, parce que tu souffres. Tu es tellement la risée et je ne vais pas rajouter. Parce que si moi j'ajoute, ça va être terrible. Je ne parle pas des histoires de putes. C'est vraiment en dessous de moi. Moi je ne suis pas une pute. Ce que je fais, j'assume. Je vis en couple avec un jeune garçon de 48 ans. Moi je me sens bien avec lui. Je n'ai pas le crabe dans le coincé dans le cul comme toi. Règle tes soucis. Tu en as beaucoup. Ne me rajoute pas là-dedans, sinon ça va être vraiment dramatique pour toi. Parce que tous les dossiers que j'ai sur toi dans ma tête, là, je me dis, si tu n'es plus normal, va te faire foutre. Hein. C'est n'importe quoi, quoi. C'est n'importe quoi. Je vous laisse. Je vous aime. Et Narcisse Maga, tu arrives quand je m'en vais. Je voudrais me reposer, vraiment, mon frère. Donc, je vais arrêter. J'ai déjà... J'ai oublié. Mais même si j'ai oublié une valise chez Guy Manu, j'étais mariée avec Guy Manu. Pourquoi vous parlez des histoires de couple? Même si j'oublie une valise chez Guy Manu, c'est normal, non? 7 ans de mariage. Je ne sais pas si tu as déjà été mariée. Toi aussi, tu as certainement un crabe dans le cul, coincé dans le cul. Donc, tu ne sais pas ce que c'est que le mariage. J'ai fait 7 ans de mariage, pas 18 mois. Je ne suis pas dans les mariages éphémères. Je ne suis pas dans les mariages chinois. 7 ans de consommation de mariage à faire à manger à un homme pendant 7 ans. Ça se félicite, ça se respecte. Ce n'est pas les trucs de mariage chinois de 18 mois avec les femmes qui ont le crabe coincé dans le cul. Je n'ai pas ce problème. Ciao.